Oh, ouais, c'est bon. Vous allez connaître. Je serai loué pour votre disparition. Alors, rendez-vous au bord. Ok. Donc ça, ce que j'ai compris, ok. Et cette quête-là, elle semble pas être scriptée. Donc on va l'abandonner, c'est pas grave. On peut pas avoir un téléporteur ici par contre. A priori non, ce qui est dommage. Notre cause est juste et notre objectif est noble. Ok, donc je dois réemprunter le chemin par lequel je suis arrivé, c'est ça? Sauf qu'on s'en est servi qu'une fois, alors pour le retrouver, c'est par là? J'ai un doute. Ça m'a l'air d'être par là. Ou pas. Faut que je contourne le lac. Ok, d'accord. Ouais, ok. C'est pas grave, on va faire le grand tour. Non, moi je pensais qu'on attaquerait Battle for Azeroth aujourd'hui, mais non, on va terminer ça. Ouais, c'est ça. La liste des réparations du Vindicar est sans fin. Comment puis-je vous aider? Venez parler avec moi. Nous prévaudrons. Ok. On a le temps? Je sais pas si on a le temps. Le 20 fois que vous aurez atteint l'Arcatraz, je resterai en contact avec vous. Ma force soit avec vous. Nous. Ok, Arcatraz. Ça par contre, je connais pas du tout.
grand inquisiteur Ralgar est incarcéré dans les profondeurs de l'Arcatraz. La Légion s'y trouve déjà, alors agissez en toute prudence. C'est une instance. C'est une instance. Pourvu qu'elle soit faite en moins de 20 minutes. Oui, parce que dans 20 minutes, je mets fin à cette session de tournage. C'est bien Tardus, le monde le plus puissant de l'univers. Je me fais attaquer ? Au nom de Sargeras. La Légion a ouvert des portails pour envahir l'Arcatraz. Refermez-les avant de vous laisser déborder. Débarrassez-nous de cet individu. Lazarus a besoin de temps pour envoyer le Grand Inquisiteur sur Arcus. Notre maîtresse doit déjà avoir libéré le grand inquisiteur. Ok, donc là on a deux. On a deux ennemis qui se foutent sur la gueule. Ça c'est. C'est rien qui drop. Hein. La magie est une vie que vous avez. Au nom la de Sargeras. Elle est à nous, ma sœur. Ok. À mon avis, il faut monter. Voilà. Mais Sargeras, il est mort. Laissez-le dans sa tombe. Parce que c'est le but de la Légion, hein. C'est de ramener Sargeras à la vie. Donc en accédant à sa tombe. Et si je dis pas de bêtises, je crois que je dis une bêtise, mais il me semble que c'est Illidan en plus qui a tué Sargeras. Mais j'ai un doute. Je dis peut-être une bêtise. Si ça se trouve, c'est Arthas. Mais c'est pas dit dans le lore d'Arthas, alors... Oui, je me suis un peu renseigné sur le lore d'Arthas, mais... Et merde, j'aurais peut-être pas dû l'attaquer, celui-là. Au nom de Sargeras. Les sentinelles, elles sont violentes, hein. Enfin, elles sont violentes. C'est pas qu'elles tapent fort, c'est qu'elles sont... Elles ont masse de vie, quoi. Ah, d'accord, ok. Ça arrive à me... À me blesser, même si ça me cible pas. Ok, d'accord. Éloignez ça de nous. Utilisez votre magie. Au nom de Sargeras.
C'est transparent. Ok, d'accord, c'est transparent ça. Normalement, lui, il a le focus, il peut pas. Votre monde sera annihilé. Alors ça, c'est con. Parce que ça veut dire que si j'attaque elle, techniquement, la sentinelle, elle peut s'occuper de l'autre, quoi. Alors par contre, la sentinelle, le problème, c'est qu'elle fout un bordel monstre. Je pense qu'on va progresser. De toute façon, on est en instance. Je suis où là? Ah bah non, je reviens là. Mais je peux quand même feinter. Mince, je vais pas utiliser jusqu'au bout. Je peux quand même feinter. On va éviter de se prendre la... Putain! Mais je vous dis, on va essayer de feinter. Le monde le plus puissant de l'univers. Nous devons détruire cette sentinelle sans tarder. Votre monde sera annihilé. Le monde le plus puissant de l'univers. Je suis libre. Ratez-vous. L'ennemi est là. Lazarus, ma loyale servante. Reste ici et tue ces imbéciles. J'ai affaire. Ce sera fait, grand inquisiteur. Chercheuse, couvrez le départ du grand inquisiteur. Je vais me charger de cette interruption. Ok. Ok. Je dois d'abord tuer ces deux-là. Donc, je vais pas utiliser mon démon tout de suite. J'ai pas vu combien de vie elle avait, elle. Ça devrait le faire. Honnêtement, ça devrait le faire. Allez. Au nom de Sargeras. Allez. Je dois te buter, j'ai buté tes deux sous-fifres. Allô, le script? Allô, le script? Il y a un truc là. J'ai le script qui a bugué là. Bon écoutez, de toute façon, voilà, il est 6h20. Moi, je dois arrêter ici. Donc sur ce, ben
Bah écoutez, ça aurait été cool, mais visiblement, ben le script refuse de se relancer. Enfin, il refuse de se lancer. Je suis censé pouvoir l'attaquer, puis elle est en orange. En fait, ça se voit très peu, mais elle est en orange. Elle est pas en rouge. Je peux pas l'attaquer là. Ça marque cible incorrecte. Donc elle. Normalement, elle est censée passer en rouge quand j'ai buté les deux sous-fifres, mais visiblement, ça marche pas. Donc, eh ben, sur ce, ben, je vous dis à tout à l'heure. Pour vous, à tout à l'heure. Pour moi, certainement. Demain? Demain, on est quel jour? Demain. Ah, ben non, c'est. Ouais. On verra. Pe peut-être demain, c'est pas sûr. Allez. Bon, apparemment l'enregistrement est lancé. Oui, c'est ça. Bon, bah écoutez, ça fait 12 secondes. D'accord, ok. Bon, excusez-moi. Encore XSplit hein, qui me. Donc, c'est sur cette superbe image de moi aux côtés de Illidan, évidemment. Oui, je dis Illidiane souvent, je sais pas pourquoi, mais c'est Illidan. Qu'on va quitter finalement vraiment cette fois-ci Légion. Voilà, il y a beaucoup de quêtes qui sont pas très scriptées et je sais qu'il y a encore beaucoup de choses à faire dans Légion, mais voilà, on progresse plus en XP, on stagne pas mal, même s'il y a encore des reliques à récupérer, hein, parce que j'ai mis ma nouvelle relique, la relique qu'on avait récupérée dans. Voilà, la relique plus 13 niveaux, je l'ai mis à mon âme prodigieuse. J'ai été la chercher. Oh, je recadre. Le temps que je vous parle, hein, chose comme ça. Donc voilà, donc mais le problème c'est que voilà, quand j'appuie sur mage, hein, vous voyez, elle n'a pas encore le niveau suffisant pour rattraper l'arme que j'ai actuellement sur moi, la cime des mages de guerre. Donc. Voilà, tant pis. Pour le moment, je vais garder la cime de mage de guerre, mais j'aimerais bien trouver une autre relique plus 13 à Ultalèche pour qu'elle puisse revenir au niveau, quoi. Malheureusement, bah, c'est pas trop le cas, quoi. Mais donc voilà. Mais sinon, voilà, je garde mon arme prodigieuse sur moi au cas où je tombe sur une relique. Mais je doute, je doute. Voilà. Faut dire ce qui est, je doute. Je regarde rapidement s'il n'y en a pas une justement de relique. On check aussi le. On check un petit peu le. Les chapeaux, tout ça, enfin voilà. Ressources. Je fais juste le tour très rapidement pour voir. Là, c'est que du pognon, oui. Ressources. Il y a beaucoup de ressources là. Du sang de Sargeras. Ah, non, c'est une bague, mais non, elle est pas intéressante. Ok, attendez, je fais juste le tour des régions, voir s'il n'y a pas une. Non, oui, plus 8 niveaux. S'il n'y a pas un niveau plus 13 dans les quêtes. Enfin. Une relique d'ombre. Plus 13. Non. Ok. Donc ici c'est non. Là il y a de l'expérience. Non, pas ici non plus. Donc il y a aucune relique. Oula, ça a eu du mal à charger. Il n'y a pas de relique niveau 13 là, qui tombe malheureusement. Non, et Valcharar, c'est la dernière région. Non, j'ai relique plus 8.
Plus 8 toujours. Non, donc pas de relique. Voilà, bon. Après voilà, j'ai lui qui est revenu, mais... Voilà, donc on va quitter le Légion pour aller vers Battle for Azeroth. Donc on va retourner à Orgrimmar. On aura fait quand même pas mal d'épisodes sur Légion, hein. On est là depuis, je crois, l'épisode 57, je crois. On est à l'épisode 63, si je dis pas de bêtises, c'est ça que j'ai pas encore encodé, mais j'ai regardé les... C'est ça, on est à l'épisode 63. J'ai regardé le... Comment dire, enfin, j'ai réorganisé les rushs, de toute façon, à pouvoir préparer le... L'encodage des épisodes précédents. Des épisodes 60 à 63 là. Donc voilà. Ben voilà, ça c'est le tournage. D'accord, là je ne peux même pas bouger. Au secours. Au secours, ça charge. Donc oui, donc, résultat, non, c'est pas M, c'est L que je voulais. Tout ce qui est... Donc ça, on avait déjà coupé. Burkrun. Voilà, ça, on va arrêter le suivi. Et celle-là, on va arrêter le suivi aussi. Voilà. Donc, on a quelques quêtes, hein, qui sont en... Ok, d'accord. Donc de toute façon, voilà, on nous dit clairement faut qu'on... Mais il y avait la limite de quête, par contre, je la vois pas. Ouais, voilà, l'Arguz, vous voyez, on est loin d'avoir fini, hein. Il y a trois chapitres, on en a même pas fini, hein. Donc voilà, donc l'Argus y aurait à faire, mais ce sera pour plus tard, hein. Ce sera pour quand on aura fini le jeu, peut-être qu'on s'y repenchera. Attends, ça a du mal. Alors j'ai vu que XSplit faisait bugger. Alors attendez, puis attends que j'y suis. Ça, je vais temporairement le fermer. Ça me sert à rien. Voilà. Oui, si je reprenais le focus sur le jeu, je pourrais me déplacer. Non, c'est pas par là. Ah, zut. Donc c'est bien sur le port, mais j'ai pris le mauvais bateau au départ. J'ai pris le bateau qui permet d'aller vers l'Argus, et j'ignorais que ce bateau allait vers l'Argus. Et voilà, normalement il y a un de ces bateaux. C'est celui-là. Voilà, où on a Dame Sylvanas qui nous attend.
Nous sommes les réprouvés. Nous exterminerons tous ceux qui se mettront en travers de notre route. C'est parti. Connaissez-vous les Brutules? Ce sont des guerriers aussi imposants par leur taille que brutaux, issus d'une lignée ancienne. La subtilité n'est pas leur force. L'égide d'Agramar appartiendrait à leur légende. Ainsi, pour s'en emparer, il faudrait passer une sorte d'épreuve. Prouver sa valeur. Les nouvelles catapultes sont plus rapides et plus puissantes que jamais. Et c'est à nos alliés gobelins que nous devons. En vérité, Tornaille nous renferme un autre trésor. Un dont je m'emparerai par mes propres moyens. Je suis certaine que vous êtes capable de réussir toutes les épreuves qui se dressent entre vous et les Gilles. Oui, marraine. Latanos a formé une nouvelle génération de forestiers. Ils symbolisent à la fois notre passé et notre avenir. Parlez sans tarder. J'écoute. Non, faut que je focus personne. Ah, ok. Je vais me mettre devant. Je réfléchis souvent. Oh, c'était classe. Car mon peuple ne peut pas se reproduire. Notre destin, alors, n'est-il pas de finir par disparaître? Non. Les réprouvés ne cesseront jamais de se battre. Pas tant que je régnerai, ou tant qu'il existera des êtres avec le pouvoir d'arrêter la mort. Nous avons reçu des nouvelles du capitaine Noirciage, madame. Ils ont trouvé le temple. L'oubli a accosté à proximité. Les troupes sont en train de construire des fortifications et pourront assiéger le temple dès que vous en donnerez l'ordre. Bien. Envoyez une chauve-souris. Prévenez-les que nous les rejoindrons bientôt. Alors là, on a eu un élément de lore extrêmement important. Les réprouvés ne peuvent pas se reproduire. Le fléau, ça grandissait en prenant en fait les cadavres de leurs ennemis, en prenant le contrôle des cadavres ennemis. Mais apparemment, les réprouvés ont renoncé à ce pouvoir, de pouvoir prendre le contrôle de défunts. Ce qui fait qu'ils n'augmentent pas en nombre, et s'ils n'augmentent pas, ils ne font que diminuer, parce qu'au fil des batailles, des morts-vivants retournent à l'état de poussière. J'allais pas dire meurent, parce qu'ils sont déjà morts, mais retournent à l'état de poussière, ou du moins ont un corps qui ne permet plus de se mouvoir, et par conséquent, ben, c'est le décès total. Donc ça, c'est intéressant. Et ça, c'est intéressant de savoir ça. Est-ce que... Ouais, mais est-ce que la Horde ne serait pas d'accord pour que quand même les morts-vivants puissent, en instaurant peut-être un quota, hein, mais puissent prendre le contrôle de orques et de elfes de sang, et de trolls, tout ça, de défunts pour pouvoir maintenir leur population. Éthiquement, c'est discutable, mais sur le plan pragmatique... ça se négocie, quoi. Ça me fait vraiment chauffer la cafetière, cette histoire-là. Les réprouvés, c'est évident que les réprouvés peuvent pas se reproduire par voie naturelle. Ils sont morts, leurs organes ne fonctionnent plus vraiment. C'est juste leur corps est mu par la... Par la magie des ténèbres, en gros. C'est... Non, c'est intéressant.
Je kiffe les morts-vivants. Si je reroll, je ferais peut-être un mort-vivant. J'ai déjà joué mort-vivant une fois, mais j'avais pas accroché à l'époque. Mais j'étais ado et puis le lore, je m'y intéressais pas vraiment. Et maintenant que je m'intéresse énormément au lore de World of Warcraft, je vous avouerai que jouer mort-vivant, ça m'intéresserait plutôt, ouais. Vis-à-vis de l'histoire des réprouvés. Même si je la connais déjà plus ou moins, hein, c'est voilà quoi, Dame Sylvanas qui s'affranchit du pouvoir d'Arthas. D'ailleurs, Dame Sylvanas était à la base une elfe de la nuit, hein, qui s'est dressée contre Arthas déjà de base. Et Arthas l'a tuée et a pris le contrôle de son corps avec le fléau pour la servir. Et il a fallu attendre que Arthas soit vaincu par Azeroth, que son attaque soit repoussée pour que Dame Sylvanas, bien qu'elle soit restée mort-vivante, puisse reprendre la conscience d'elle-même pour se dresser contre Arthas. Mais c'est Arthas qui a fait de Dame Sylvanas une réprouvée. Involontairement, quoi, mais à la base, Sylvanas était une elfe de sang. Pas une elfe de sang, une elfe de la nuit. Enfin, c'était même une haute elfe, hein, je crois, hein, il me semble. Voilà, elle et Lydiane, honnêtement, voilà. Et moi, je trouve ça bien parce que. Oh. Et elle a un chara-design qui est juste génial. Bon, voilà, Voilà, si vous voulez l'image d'une femme forte et craint, mine de rien, dans l'univers de World of Warcraft, Dame Sylvanas, c'est vraiment l'image de la femme forte. Voilà, si. Ce que y en a, hein, qui. Voilà, dans les détracteurs en gros de jeux et tout, on dit que les jeux sont extrêmement violents, que voilà, vous connaissez le refrain, que c'est débile. Mais quand on s'intéresse à l'histoire des personnages, et ben on a tout, et on a même des, mine de rien, des personnages comme ça forts qui peuvent plaire à, bah, par exemple bon, voilà, je vais le dire, hein, mais bah, qui peuvent plaire aux féministes. Dame Sylvanas, c'est quand même une image du féminisme dans le quelque part dans le jeu. Donc voilà Quelle quoi. joie y a-t-il dans cette malédiction? Total respect moi pour Dame Sylvanas, hein. Nous ne sommes que les esclaves de cette douleur. Attends, pourquoi Thorheim? Pourquoi Tornheim? C'est pas là-bas que je vais aller! C'est pas le chemin pour aller à Zalander, ça? J'y crois pas. Je veux passer à l'extension BFM et vu que je connais pas le chemin, je suis en train de découvrir des nouveaux chemins à travers Légion, quoi. Je pensais qu'il fallait parler à Dame Sylvanas et que c'était elle qui nous emmenait à. D'accord, bon. À mon avis, il faut retourner à Fossoyeuse pour. Les épaulières. Ben non, on va prendre les plus chers pour les revendre. Bonne chance. On en fait 2-3 et on. D'accord. On en fait 2-3 et on.
Ok. Non, attends. C'est lié ça. Ouais, c'est lié. Hop. Qu'est-ce que c'est? Gizours. Attendez, je regarde juste où je suis. Je suis là. Ok, très bien. Écoutez, on va juste rendre cette quête. On va juste rendre cette quête, mais on prendra pas la suivante. On sait que on sait qu'on a encore une branche de Légion qui peut. Qui peut s'étendre ici. Bon, ok. Donc on le saura. Il y a aussi une branche de Légion ici. Ah, on gagne de l'XP ici. Je regarde juste les quêtes. En quoi ça consiste? Que voulez-vous? Ah bah oui, bah là d'accord, bah non, bah oui. Fouiller l'épave de Courcevent et la côte environnante pour essayer de retrouver la trace de Sylvanas. On a perdu Sylvanas visiblement. Bah voilà, hein, si on va le faire. Hein. Et il faut tuer 15 parachutistes, bon bah si... S'ils sont sur la route, on le fait. Ouais, voilà. Elle est sous la flotte. Non. Un sabre d'officier. Ok. Je ne peux pas emporter plus. Nous avons mis la reine dans une barque, mais elle n'a pas voulu d'escorte. Elle nous a ordonné de rester pour nous battre. À mon avis, elle a débarqué quelque part sur la côte et a continué à pied. Mais enfin, pourquoi ? Un signe de Sylvanas dans les collines. Qu'est-ce que c'est que ça? Je suis certain que c'est une de ces flèches. Ah, c'est une des flèches de... Hors de ma vue. D'accord. Et donc, comme ça, on cherchera pas davantage où est Sylvanas, quoi. Sylvanas, elle a quitté le commandement, quoi. Tout va bien, quoi. Bon après ça a toujours été une de ses prérogatives que son peuple devienne indépendant hein, mais
Et par conséquent, ne dépendent pas forcément d'elle. Mais. Je ne peux pas emporter plus. Mais voilà quoi, en bataille, c'est censé être la chef de bataille. Donc. On ressort les 15 et puis voilà. Mais il y a 49 000 d'XP à se faire à chaque fois quasiment, alors je ne peux pas emporter plus. Je prends juste je ne peux pas emporter plus. Putain la vache, ce qu'il y a, c'est... Il y a plein de recettes de couture, mais je les ai déjà tous. Je récupère juste le pognon, quoi, même si on va entendre à chaque fois la phrase. Je ne peux pas emporter. Ah, puis il y a de la soie aussi. La chauve-souris, visiblement, elle fait partie. D'accord, ok. D'accord, puis c'est pas une chauve-souris, c'est un. Je ne peux pas emporter plus. Je ne peux pas emporter plus. Je ne peux pas emporter plus. Mince. J'ai pas vu qu'il y avait un corbeau que. J'ai l'aggro sans le vouloir. Je ne peux pas emporter plus. Je ne peux pas encore. Non, c'est bon, après ces deux-là, c'est fini. Je dois d'abord choisir une cible. Je ne peux pas emporter plus. Crachez le morceau pour la dame noire. Ok, bon. Ah, ok, j'avais pas vu qu'il y avait un tan. On se dépêche de finir. On doit partir à la chasse aux sorcières. Eh oh, t'insultes pas Sylvanas comme ça de sorcière. Oh, c'est pas Marlène Schiappa. C'est pas Marlène Schiappa qui se revendique sorcière, hein. Ouais, si vous êtes pas au courant.
Imbécile de nain. Livrez sa tête à la bon poste. Quoi, j'ai pas récupéré sa tête? Non, ok, d'accord. Ah purée, d'accord, ok, il a pas droppé sa tête. Faut que j'attende qu'il repop. Bon, on va se faire lui en attendant. Il faut que j'attende qu'il repop. On va quand même essayer de retrouver Dame Sylvanas, hein. C'est cool, on aura combattu là au cours des derniers épisodes, on aura combattu aux côtés d'Illidan, pardon, et on aura combattu là pour Sylvanas, honnêtement, là le jeu me hype quoi. Vous interromprez pas ma chasse. C'est pas ça que je voulais, c'était ça. C'est bon. Livrez sa tête à la bonne poste. D'accord. Bah alors, faut que j'attende qu'il arrive en vrai, c'est ça? Parce qu'en vrai le PNJ est encore sur le chemin, il est pas réellement là. Non, je pensais qu'il était dessus, c'est pour ça. Oula. Ah non, on va être déconnecté. Je crois que le serveur a crash en fait, c'est pour ça que j'ai plus rien qui interagit. Oui, non, c'est ça, peut-être. Ok, j'ai le jeu qui a complètement frisé là. Ouais, j'ai été déco. Ok, j'ai été déco.
Bon bah écoutez, on se retrouve quand le serveur aura redémarré. C'est pour ça que je pouvais pas rendre la quête, le serveur a s'est déconnecté. Bon, ben je coupe et puis bon, on se retrouve tout de suite. Bon, on est de retour. Donc, c'est parti. Ne me poussez pas à bout. Voilà, là, laquelle je peux la rendre. Alors, on a quoi? Non. Et non plus. Donc, ce qui rapporte le plus de pognon, c'est le premier. La force pure ne vous permettra pas d'obtenir ce que vous cherchez, mais elle vous aidera au départ. Retrouvez-moi près du caveau d'Agramar. Votre force y sera mise à l'épreuve. Ok, on est le SI7 qui est dans le coin aussi. Force d'intervention des nains. Et grand ennemi des morts-vivants. Quoi, je vais vérifier un truc. Ouais, d'accord que non, je peux pas le vendre. De toute façon, ça aurait aucun intérêt de vendre son arme prodigieuse, hein, mais. Ah, d'accord, ok. J'ai pris la mauvaise quête, mais c'est pas grave. On va buter les deux boss avant. On va faire la petite quête secondaire. Juste me concentrer un petit peu sur le deuxième là, hop, voilà. Il est dehors ou il est... Non, ouais, il a l'air d'être dehors. Il est là. Bon, voilà. On peut déjà rendre cette quête. C'est un jouet. Ok, bon, ça donne un jouet, mais ce qui m'intéresse le plus, c'est l'expérience. Vous le savez, ce qui m'intéresse le plus, c'est l'expérience. Sachant que je vais le checker régulièrement. Ah, ça a bugué. Je vais le checker régulièrement s'il n'y a pas une attaque. Une attaque de la Légion. Parce que ça rapporte masse d'XP. Hein. Je peux récupérer plus de 300 000. Oh oui, même presque. Ouais, 500 000, en gros 500 000 points d'XP rien qu'en faisant une attaque de Légion. Donc.
En faisant les trois quêtes qui fonctionnent de Légion, je peux faire un peu plus de 500 000 points d'XP. Vous voilà enfin. Cherchez votre destin. Lancer les ingrédients du panier de légumes du crabe. Ne marchez pas sans but. Ok. Le caveau derrière vous ne contient pas d'or, mais il est empli de sagesse. Yotnar en est la serrure, et la gloire sa clé. Forgez-vous une clé dans le sang des champions, et vous parviendrez peut-être à ouvrir la serrure. À l'intérieur, vous trouverez des chemins, et plus encore. Mais attendez, j'ai pas vu où je devais balancer. C'est là, c'est derrière là. Il y a l'air d'y avoir quelque chose là, mais. Je vois pas où je dois balancer en fait. Je vois pas de caveau, je vois pas de. Non, je dois balancer. Je dois balancer là-dedans, ok. Best quest ever. Il est où le dernier ingrédient? C'est quoi? C'est céréales. Ok. Je pense que c'est tout petit.